Le ministre du Développement rural face aux producteurs bénéficiaires des engrais subventionnés par l'État. La rencontre se tient dans les locaux de l'Office du Niger à Ségou. Sur place, le ministre Modibo Keïta a annoncé que 10 000 tonnes d'engrais seront distribuées cette semaine. Le ministre du Développement rural Modibo Keïta était ce week-end dans les locaux de l'Office du Niger où il a rencontré les acteurs concernés par les engrais subventionnés par l'État. Pour l'approvisionnement des producteurs, le ministre a annoncé que 10 000 tonnes d'engrais seront distribuées cette semaine. Mais avant cette rencontre, le ministre Keïta avait visité deux champs de riz dans les zones de production de Nyono et Bewani. Le point de ces activités avec Aramata Konate et Bassi Traoré. À ce jour, près de 110 000 hectares de terre sont mis en valeur dans les zones office du Niger, cela grâce aux investissements de l'État et ses partenaires et à l'amélioration de la situation sécuritaire. Quelques mois après le démarrage de la campagne agricole 2022-2023, le ministre du Développement rural se rend à Nyono et à Bewani pour s'enquérir de l'état des champs. L'état végétatif du riz est très bon. La pluviométrie aussi est vraiment suffisante. Et on peut beaucoup espérer des rendements très importants. Ainsi, tout ça, ça a pu se réaliser grâce à l'appui des forces armées qui ont amené la sécurité dans la zone. C'est le lieu de remercier les forces armées et nous comptons toujours sur les forces armées pour que la sécurité puisse être maintenue jusqu'aux récoltes. Quand j'utilise l'engrais organique, je peux avoir 90 sacs à l'hectare contre 80 avec l'engrais chimique. L'utilisation de l'engrais organique est un palliatif face à l'insuffisance de l'engrais chimique subventionné par l'État. Une insuffisance soulignée partout où le ministre Keïta s'est rendu. Sur 6 fournisseurs retenus, un seul a déjà honoré ses engagements en livrant 1300 tonnes d'engrais. J'ai déjà livré la quantité qu'on m'a accordée. J'ai sollicité l'obtention d'une commande de 700 tonnes que je compte livrer bientôt si on me l'accorde. Pour couvrir l'ensemble des besoins des producteurs en engrais subventionnés par l'État et résoudre les difficultés liées à ce secteur, des mesures urgentes sont en cours, rassure le ministre du Développement rural à l'issue d'une rencontre avec les différents acteurs. C'est un fournisseur parmi eux, d'ailleurs, qui s'est engagé avec l'appui du ministère des Finances à délivrer la semaine prochaine 10 000 tonnes d'engrais. Au cours de la rencontre, le ministre a également rappelé la crise mondiale qui a impacté tous les secteurs, dont l'approvisionnement du pays en engrais chimiques. Malgré cela, l'État débourse 17 milliards de francs CFA pour la subvention des engrais cette année, couvrant 15% des besoins des producteurs sur l'ensemble du territoire national.